Et salut à tous, c'est Vandal de la Team Zankyo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Resident Evil Code Veronica. Ex. Je pense que on va pas perdre de temps. On va juste déposer nos petits rubans encore car on n'en a pas besoin. Et voilà. On va également équiper des Keiko, c'est pour ça que je les ai récupérés. Juste voir si je n'ai rien oublié. Une herbe verte, hein, je prends. Bon, donc j'ai vérifié avant de foncer comme un béné. Genre, hop, j'ai oublié quelque chose. Oh mon dieu! Welcome, Claire. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Ce air très efféminé qui met vraiment mal à l'aise. Donc on entend mon siège, c'est normal. Mais voilà. Autant se mettre pied, hein, j'ai envie de dire, hein, quand on filme. Ah, ce qui est bien, c'est que lorsque vous entendez les battements de cœur, ma manette vibre en symbiose avec les battements de cœur. Merde. Ah, les balles, elles sont là-bas. J'espère que vous reconnaissez ce bras, on l'a vu à la vidéo précédente. Ces créatures, ils ont une musique. La musique est juste géniale. Ça prouve quand même que ces ennemis sont quand même assez spéciaux pour avoir une musique attitrée. C'est pas ça que je jouais. Ah, bon bah. On va se soigner. Et allons-y. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here. Take these. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay, okay. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there?
Give me a boost and I'll get it for you. Alright, alright. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Okay, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! Et là, on va avoir l'occasion d'incarner Steve. Sur PS3, il y a moyen de... Enfin, PS3 et Xbox 360, il y a moyen de faire un petit succès, là. You're not done yet. Je sais plus si la réplique va changer. Dans le doute, je vais... Je sais pas si c'est ça. Pour vous montrer du coup en fait, pour vous montrer le succès que ça vous déverrouille. J'espère que je... Oh là là. Mais oh là là. Vous allez voir la liste de mes trophées, vous allez voir... Ouais, mais c'est pas un Trophy Hunter, blablabla. Oui, je sais, et je l'assume entièrement. Ouais, s'il vous plaît. Non mais attends, on va synchroniser. Et ça met 20 000 ans pour 1%, je laisse tomber et je continue. Ça a l'air de mettre 20 milliards d'années, donc ça n'a pas d'intérêt au final. Mais ouais, ça vous permet d'avoir un succès. Peut quand même explorer et farfouiller les environs. Donc, ouais, il peut viser deux personnes en même temps. Et quand même, on peut voir que c'est assez expéditif, hein, avec cadence de tir. Alors là, par contre, bah, allez, si vous voulez vous défouler, vous pouvez vraiment y aller. Donc, c'est comme si vous aviez munitions limitées. Voilà, voilà, voilà. Ouais, en général, parce que ça c'est un comportement assez stupide, c'est que il vise en priorité à l'espèce de bonbonne qui, lorsque vous tirez dessus, va exploser, quoi. Ce qui n'est pas pratique. But this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people?
Steve. What were you doing here? Who brought you here, and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Comment ça se dévoile, le petit? Je peux prendre l'ascenseur. Non, c'est. Je dois suivre aussi. Il sait même pas où il va, mais je dois le suivre. Attention. Et oui. Claire, are you okay? Steve, behind you! No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve. Father. 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 Dad. Used to work for Umbrella. Tried to steal information. Intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. Il a eu la mort, mais elle s'est fait mordre plusieurs fois comme durant l'aventure, donc ouais, devrait le laisser tranquille. On reprend le contrôle de Claire et nous avons enfin récupéré les lugers. Ah, j'aime bien dire les lugers en fait, mais après ça n'engage que moi, bien entendu. Du coup, ça nous emmène par où cette porte? Mi Bancho. Un petit peu explorer. Revenir un petit peu en arrière dans la zone que nous avions entre Asa et Steve.
Et surtout récupérer ça, ça va nous être très très précieux. Sur ce, nous avons emprunté le l'ascenseur, voilà, enfin c'est plus en monte charge. Mais... Allez hop. Des munitions ici. Hey. Ah, je m'en souviens encore bien du jeu. Ouais, il y a une petite musique qui, je trouve, quand même bien son effet. Bon, ouais. Avant de passer par là, on va faire quelques compromis. Là, mon inventaire est plutôt bien rempli. Donc, on va essayer de. Je sais que je suis déjà au premier sous-sol. Bon sang. Arrête, je sais. On va revenir en arrière. Car l'item blason de lait que j'ai récupéré est quand même assez, assez crucial. J'espère que c'est le pistolet, l'espèce de truc rouge que j'ai vu, non pas une hallucination. Ah voilà, bon, j'ai l'œil. Et voilà. Salut Steve, ça va? Et très bon. Ah oui, un doge. C'est pas passé loin. Il y aurait que je pourrais essayer de tuer le ver, hein, mais... Honnêtement, flemme. Simplement. Et voilà. Alors du coup, il y a des gens qui ont tapé un cruiste ici, hein, c'est... voir ce qui se passe. Et voilà. Alors, j'ai rien positionné. Le blason de l'aigle va dans ce socle là et nous récupérons le passe emblème. Ah! On va juste faire un tour au sous-sol. Enfin, j'arrive à les esquiver. Lâche-moi le bras! Lâche-moi le bras! Dégage! Non mais. Ouais, ou je suis en danger. Voilà, ça me fait faire un raccourci, ce qui n'est pas cool. Passe emblème permet d'ouvrir les couleurs de passe de couleur indigo. Donc la couleur indigo, c'est également les
peur des jeans, hein. C'est de voir si je me trompe pas, on... c'est des pantalons en toile d'indigo. Et là nous récupérons la lance-grenade. On peut quand même passer à côté, hein. C'est qu'avons-nous là? Hop, ouais. Je vais peut-être me casser avant de me faire casser. C'est désolé du dérangement, monsieur dame. Hein. Parce que là, je vais être en faible orange, en faible jaune, mais je vais pas, je vais pas chercher plus loin. C'est... Ils m'ont dit dégage, je dis d'accord. Hein. C'est ah, sans aucun problème. Hein. On va pas. On va pas chipoter là-dessus, ne vous inquiétez pas, ouais, on va rester très bons amis. Et puis voilà, tout simplement. Alors est-ce que je peux en prendre, je peux faire descendre l'ascenseur? Bah c'est cool. Je pensais qu'il fallait, s'il restait bloqué à un étage, bah je pouvais pas. Nous allons au premier. Et est-ce qu'on a un petit comité d'accueil? Qui est beau toi? Ah le passe-emblème il servait quasiment à rien. Oui effectivement. Alors comme j'ai dit, qui n'ont pas de sang sur la salle, c'est qu'ils sont qui sont en vie. Regardez, ah, bah, ça le touche pas, mais lui il a envie. Hein. C'est une petite feinte, une petite feinte en fait. Je cherchais un terme, mais finalement c'est pas terrible. Puis même, je me retrouvais également bloqué un petit peu en deux dans lui. Hop. Autant se soigner j'en ai une part, j'en ai besoin de faire la place pour récupérer cet objet là. Et attention, réveil, réveil. Non, pas de réveil. Pas de réveil. D'accord. Pas de soucis. Laissez-moi partir. Ah, tu t'es loupé. Maintenant qu'on s'est refait une santé et qu'on a un peu bien progressé, on va retourner dans le manoir. Au revoir. Là, je cherche pas les emmerdes. Hein. Voilà, voilà. Du zombie. On a cela à la place. Toujours la partie. On va rentrer dans le manoir tranquillement, posément. Qui a été investi. Mais ça c'est pas cool. Du coup avant on était tranquille. Et là on l'est plus. Malheureusement. Heureusement que nous avons notre salle de sauvegarde. On va placer les loogers maintenant. Ça nous libère. Non, je veux pas m'en équiper, je peux pas les utiliser. Et voilà.
Ça a été débrouillé. On récupère nos rubans creurs, dont le passe continuation ne va pas nous être utile pour le moment. Le sang infanterie. Ainsi que le lance-grenade. Le lance-grenade, on le conservera. On va le garder pour plus tard. Et voilà. On a un air de déjà vu quand même avec les précédentes vidéos au niveau de cette pièce, mais on est quand même pas mal amené à repasser par là et c'est pas plus mal au final. Voilà. On a plutôt bien progressé, on en a pris plus sur Steve lors de cette vidéo là. Et au final il a dû faire un choix, hein. C'était soit sauver Claire ou soit sauver son père, et puis il a fait le bon choix parce que mine de rien, je me demande ce que ça donnerait si il n'aurait pas tiré sur son père et que Claire était mort, je pense que ça aurait été la fin du jeu. Et oui. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un commentaire. Et également à checker les autres vidéos. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Resident Evil 4 Veronica X. Bye bye.